Je ne connaissais pas bien Stefano Benni, je dois dire que c'était vraiment un coup de cœur. Il a un univers, une imagination incroyable, un univers tout à fait surréaliste par moments. Et en même temps, dans toutes ces petites histoires, ça parle tellement de l'être humain avec tendresse. Enfin, moi, je trouve que c'est le mot qui caractérise le plus, c'est la tendresse, l'humour, la drôlerie. Et il nous amène dans des univers. À certains moments, on est dans une crèche vivante. À un autre moment, c'est un dialogue entre un pêcheur et le poisson qu'il est en train de pêcher. À un autre moment, c'est un homme qui dialogue avec le guichet automatique. Il y a aussi un moment magnifique entre un homme et une femme au restaurant. Donc l'idée, c'est puisqu'il y a 12 petites ou plus, enfin plus petites ou plus moyennes histoires, c'est de faire vraiment un petit univers à partir de chaque histoire, comme si on ouvrait un nouveau livre à chaque fois. Donc une autre manière aussi de raconter, peut-être parfois avec des objets, parfois sans, parfois avec de la musique. Chaque fois, c'est un univers particulier. On va vous raconter des histoires, Oui. mais elles ne sont pas vraies. Mais vous allez les croire, parce que vous êtes naïfs.